Et bonjour à tous, ici Vigo pour la suite de notre Let's Play sur les héritiers de Charlemagne. Que mes souvenirs sont bons de mon moi du passé dans la merde qu'il m'avait laissé. Nous étions en guerre pour libération. C'est mes vassaux qui voulaient se libérer. Et je me rappelle aussi que je crois que c'est lui là. Ouais, lui c'était l'un de mes anciens vassaux vu qu'il a fait la guerre en même temps que les guerres de libération. Ça... Peut-être que j'étais trop dans la merde pour faire les deux guerres en même temps. Du coup, je l'ai laissé se libérer, mais il me semble qu'il y avait certains membres de sa faction qui étaient dans l'autre faction. Du coup, vu qu'ils ont été libérés, ils ont arrêté d'être dans la faction, ce qui fait que maintenant, je suis face à une faction beaucoup plus réduite. Donc, ça devrait être plus simple. Si ça se trouve, tout ce que je dis est une pure connerie, mais... J'espère que non. Parce que j'ai pas un rond. Je gagne pas de sous, mais non, c'est parce qu'il manquait un tic. Alors... Oui, j'étais en chasse... des vassaux, non. Des otages, non, parce que ça va me faire perdre des sous. Après, est-ce que ça me perd pas beaucoup de sous? Ouais, ça me fait perdre quand même des sous. Mange pas. Duke Yang commence à répondre à la légende. Non. T'es qui, Guilhem? Bah, ça, les chevaliers, est-ce que t'as beaucoup de titres? Pas mal, je pense qu'il va m'aimer. Répondre ma légende ou avoir un ami? Comment on stresse? Oh non, ça. Allez, on va essayer d'avoir un ami. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Complot. Nouer l'amitié avec le duc Albueno. Qui? Chancelier du roi Ulrico. Ah, ça sert plus à rien. Ah oui, je pense que je. Oui, je voulais être ami avec toi parce que. Bah... Parce que c'était pour éviter que tu sois dans la faction, mais. 30 ans avant de pouvoir retenter une amitié avec lui, bah putain. Laissons clore la chasse, excusez-moi. Faction, est-ce que j'ai des factieux qui veulent... Fais attention quand même. L'autorité de la couronne plus basse. Ça va me coûter un peu de sous, mais... Ça va me coûter beaucoup de sous, mais... Putain. Qu'est-ce qui me coûte autant d'argent? Un pot des vassaux, 8, 8, 6. Priorité juste 4, 1. Capoué. Attends, quoi? Le pape s'attaque à... Hein? Bon. Je suis vraiment mal en argent, là. Je deviens Auguste. Que fait déjà le trait Auguste? Diplomatie, martialité, prestige. Ok, pas mal. Je pense que là, je vais peut-être partir sur un mode de vie d'intendance parce que j'avoue que là. Même si ça met plus de temps à se débloquer, j'ai plus un rond. Ouais, un petit peu plus de rond. Des dettes, faible contrôle, opposé, un otage, pas de nourrice. Une nourrice, antiquaire, goûteur, maître de chasse, architecte royal, c'est les chats, les chansons, bouffons, musiciens, garde du corps, poète nourrice. Ah. Bon. Wow, c'est pas très grave là ce qu'ils sont en train de guerroyer par ici en fait. C'est surtout si je défends mes territoires, ça devrait suffire. J'ai besoin de récupérer mes sous. Comment on attend? Ah oui, mais je suis nul à chier en intendance. Ah oui, ça m'étonne pas. Ma femme, t'es même peu de fort en intendance. Y'a pas un moyen que je te mette en. Gérer le domaine. Un peu mieux. Elle est enceinte, elle va peut-être me faire un meilleur gosse. Comment ça se fait que je sois autant dans la merde en termes de sous? Même lui. Qu'est-ce qui me coûte aussi cher? Hommes d'armes. Enfin, non, les hommes d'armes. C'est commodité de la cour qui me coûte aussi cher, mais putain. 15! Oh, je vais devoir réduire un peu le prestige de ma cour, là. Ouais, j'ai pas le choix, je vais baisser un petit peu partout.
J'ai gagné plus 5. Ah, c'est un peu chiant ça. Et en plus, il y a une fièvre. Bon, qu'est-ce qu'il veut ? Une des sous. Ah, shit. La fièvre. Elle est où la fièvre dijonnaise, c'est ça ? Fièvre dijonnaise. Ouais, c'est ça. Infecté, bon, ça. Si c'est que ça, ça va le faire. Attends, mon médecin de la cour, lui, il est déjà en train de me faire résister aux épidémies, donc ça va. Promoteur de soutien plus les gens. Il faudrait que je... Ah, c'est vrai qu'il y a un petit morceau d'Angleterre. Reynaud Capet, votre fils est pupille. Vas-y, j'utilise jamais cette mécanique, donc bon. Pourquoi pas. Membre de cour diplomatique. Diplomatie plus 1. Ok, pas mal. Pas mal, mon épouse est absolument incroyable. On vérifie ici. Bon. Attaque à moi, c'est pas bien grave. Les alliés, ça. J'ai appelé un allié. Ah ouais, j'ai appelé un allié. Pas mal. Bon, je récupère un peu de sous. Voilà. J'aimerais faire gaffe parce que je vois que je peux avoir un domaine en plus grâce à ma chère épouse. Donc ça veut dire que je pourrais essayer de choper, pas une baronnie, mais un château un petit peu meilleur. Voyons voir, vassaux. Taille du pays 10. Bon, il me déteste. Je vais ranger par opinion. Grand Dieu, toi, moyen. Bref et sobre. Guillaume de Toulouse, t'as pas un bon domaine à me passer, le duché, duché, comté, comté. Comté de Werk. Non. Comté du Gévaudan. Pas mal le château du Gévaudan. Tu peux pas me donner le château du Gévaudan? Non, il voudra pas me donner. Mais il faudrait un nouveau comté là, une nouvelle guerre serait pas mal. Ouais, je peux faire une guerre contre. Enfin, je peux repartir en guerre contre mes vassaux, c'est vrai que. Si je les finis, c'est. Ça me permettrait. Ouais. Allez, on va essayer ça. Ça va me coûter très cher, mais si j'en finis avec eux. Je pourrais récupérer l'un de leurs territoires en zigouillant. Allez, réunissez-vous deux. Une fille. Une fille, donc. Fille, fille, fille. Putain, elle est intelligente. Qui est-ce qui va pouvoir t'éduquer? On va... Non, moi. Quelqu'un qui est bon en intrigue. Non, toi, tu seras plus efficace. Après, c'était une génie, ma femme. Elle est intelligente. Ouais. Je sais pas. Trinaire. De Croatie. Ah, tu peux obtenir des titres, toi. Allez, hop, pourquoi pas. Si les autres dans le tas meurent, elle peut quand même obtenir quelques petits titres, même si les autres ne meurent pas.
Ouais, faut que je prenne Naples, entre autres, mais je pense que la priorité, c'est peut-être même ici. Et merde. Dis-moi. Ah, dis-moi, ça va coûter, dis-moi. Fascination découverte. Ah! Fascination, excusez-moi, culture, c'est ça. Animation chronique. Moi, le chef culturel, on est d'accord. On va prendre ça. En vrai, j'ai pas. Je suis en train de me presser sur 50 trucs en même temps, du coup je fais pas trop l'effort là, mais. Oh, ça c'est mieux ça. Maintenance des hommes d'armes là. Ok, la guerre, ça s'améliore. Ah, ok. Ok, appuyez exigence, parfait, dispersez tout. Alors. Alors, qu'est-ce que je peux récupérer qui donnerait un petit peu de sous là? Ouais, voir, mais prison, faction contre moi dissoute, oui. Duc Jordan de Capoue. Le duché de Capoue, il est où le duché de Capoue? Il est là-bas, le duché de Capoue. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant en Capoue? Oh! Une université en Capoue. Ça, c'est le comté de Naples. Tu possèdes Naples, toi? Je veux le comté de Naples, mon gras. Révoquer le titre. Non, qui possède le comté de Naples, alors? Le duché de Capoue, c'est tout ça, je crois. Ouais, tout ça, c'est Capoue. Donc je peux récupérer, toi, donne-moi le duché de Capoue. Ma gueule. C'est où Syracuse? C'est là. Il veut pas me laisser choper. Bon, Castelgavani, ça donne quoi? Ah! Ah! Interface. Y a pas grand-chose d'intéressant. Emma, le comté d'Avranches, c'est où ça? C'est pas plus intéressant que ça, Avranches. Ouais, en même temps, c'est pas non plus inintéressant. Le duc Folco de Gênes. Duché de Gênes. Et comté de Grison. Pas inintéressant, tiens. Ouais, je vais rançonner, j'ai besoin de thunes. Rançonnons en masse.
Grave, s'ils m'ont trahi, je peux toujours me lier d'amitié avec eux. Plus tard. Grande tournée. Ah, je pars en rond, là, c'est pas le moment. Qu'est-ce que c'est que ça? Améliorer votre légende. Ouais, pas assez. Donc, améliorer ma légende, pas pour tout de suite. Vous pouvez accorder des vassaux à la synergie, des vassaux puissants de Satan, vous pouvez déclarer des guerres, créer des titres, vous pouvez appeler un otage. Rançonner, on va continuer à rançonner. Allez, allez. Non. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Voyons voir. On a dit, vous avez dit, du coup, quelqu'un n'a pas de nourrice. Pour qui? Ça coûte quand même cher à permettre ça. Ok. Comment ça se passe la légende? Légende. Ah, ça se répand les héritiers de Charlemagne, ça se répand mine de rien. Et épidémie? Ok, la consomption arrive de là-bas. Tout vient des Anglais. Ok. C'est vrai que faire une guerre maintenant, c'est pas complètement con. Très con. Ouais, non, j'ai pas un rond là. Évitons. Voyons voir les guerres déclarables. Le Kaiser, c'est mort. Le pape. Le roi Ulrico de Italie. Oh. Oh. Comté de Teramo, c'est pas ouf. Duc Folco, il veut tous les duchés là. S'emparer du duché de Gênes. Pas grand chose le duché de Gênes, mais déjà ça me fait récupérer un petit peu de territoire perdu. Juste à côté en plus, donc hop, hop. Hop, hop, tout levé. Hop, ça part. Prendra. En plus, oh, qu'est-ce que c'est que ça, les murs de Gênes. Oh. Quoi? Mon maître espion finit pour aller de Gênes en combat de suspension, je pense que pas t'as refusé de t'avouer du Kétienne sur toi dans une preuve pour aider ses accusations. Je crois qu'il y a écrit de m'embrasser. Ouais, on va récupérer Gênes un petit peu là. Influencer. Oui, il aime subterfuger les intrigues, je pense que oui. Je suis en train d'essayer de me faire ça. Est-ce que le pape? Acheter. Une très bien réfléchie, vous et moi devons attendre les mais si vous faites accepter également votre signature, une très bonne volonté mutuelle, quoi. Qui es-tu? Antonso. C'est l'Espagne? De Navarre. Vous paye 410 pendant 15 ans de trêve. Bon, allez, pourquoi pas. Libérer une parenthèse reste pas spécialement, mais la thune, j'aime ça. Améliorer ma légende, améliorer la qualité. Oh putain! Oh
Oh putain, oui, ça coûte, la vache. Croissance du développement 6%, opinion populaire 20, intendance plus 4, renommée 0,10, renommée mensuelle. Putain de merde. Ah ouais. Ah ouais, la légende. Ouais. Ah la vache. Ça picote un peu, quoi. Mais quel est l'intérêt du coup d'achever ma légende? Si je fais achever ma légende. Achever une légende impossible de la défaire. Débloque un renforcement qui vous permet de faire glisser immédiatement le territoire de jure d'un royaume vers votre pays. Débloque l'option pas légendaire de la décision de dégager un terrain pour écrire un bâtiment légendaire. Vous obtiendrez une revendication sur chaque titre de jure existant au sein de l'Empire de France. Donne l'accès à la décision de commander un objet commémorant les gens peuvent gagner 600 à ordonner. Ok, on va attendre la fin de la guerre que je suis en train de faire et après on va voir ce que ça donne. Je suis légitime de combien là? Ah, ça me ferait pas mal, là. Ça me rendrait bien légitime. Mais du coup, finissons cette guerre, on va bien voir ce que ça dit. Combien de temps là? Non, toi. Encore enceinte, elle va me faire que des gonzesses. Je suis comment là? Mais j'ai que des filles, bordel. C'est toutes des génies. Pourquoi les filles, s'ils sont cons, les filles, elles sont incroyablement intelligentes. Éduquer, pareil. On va te mettre... elle. Je vais un peu vite là, hop, et j'aimerais bien la marier aussi en matrilinéaire. Non, dommage, j'ai besoin de quelqu'un avec des revendications là. Ouais, allez, hop. Comté de barre. Que toi, je peux t'assassiner. Non, ça va être compliqué. Oh, tu peux continuer. Ok, il a pas gardé mon fils en otage, très bien. Otage, otage. Exiger un paiement pour des hameçons. Je crois que j'ai quelques hameçons en plus. Non, et si j'ai pas d'hameçon, lui, il peut m'en trouver. Va me trouver des trucs, je sais pas, moi, chez le Rome. Pourquoi pas à Rome, tiens. Oui, toi, redescends. Toi, je disais, redescends, là. Lui-même, il me donne des impôts. 4,7, c'est pas non plus. Alors, toi. Oh, toi. Tu vas avoir un impôt. Île-de-France, putain. Île-de-France n'est pas à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire? Clac, clac. Île-de-France, améliorée. Putain, les petites images de la légende là qui s'étendent là, j'adore. Est-ce que je peux me permettre de construire un bâtiment? Peut-être. Île-de-France. J'aimerais bien, surtout construire Notre-Dame. Ça va être compliqué, mais j'aimerais bien. Ça, quartier du Pèlerin. Cher, ça coûte tellement cher. Jardin et plantation de légumes. Ah, ça coûte moins cher, ça. Ah, oh, ça donne de la thune. Vas-y, thune, fric, pognon. Tant de choses à rattraper, ça va, il est pas non plus parti à vie. Mais qui est avec lui? Quelle est la taille de ton territoire, Italie? J'ai eu la capitale, mais en vrai, j'ai pas eu tant de choses que ça. Toi, est-ce que tu irais, je sais pas.
Sortons de là. Un fils, enfin. Vous obtenez une relation sur le comté de Vannes. Ah. C'est un vassal. Non, vas-y, Kurgan. C'est bon, je suis un mec sympa. J'ai fini d'influencer quelqu'un. Est-ce que par hasard j'ai une faction sur la gueule? Non. Pas libéré, toi? Ouais, tu me donnes pas de sous si je te rançonne. Bon, bah. Hein. Exécuter. Non. Dis, exécuter. Moins que je puisse révoquer un de tes titres. Disons donc le comté de Avranches. Ouais, tout en bas, Grison, Avranches. Grison, c'est lui. Avranches, c'est. Ok, Avranches, c'est pourri. On va l'accorder à. J'ai pas déjà un vassal, histoire d'utiliser un de mes vassals. Taille du pays 18, duc Étienne de Champagne, il est déjà assez gros, toi t'es. Toi, t'as pu le faire, tiens, on va t'accorder un titre. Du coup, titre récent, comté de Avranches. Ok, c'est bon. Merde, j'ai oublié de. Ah, je peux pas, donc ok, vas-y. Mince, alors, mon nouveau fils. Lui, oh, il est pas plus malin que ça, on va te mettre en. Érudition, tiens. Comme ça, tu vas peut-être pouvoir prendre. Prendre les vœux. Allez. C'est la maman qui s'occupe de toi, mon fils. Ok, donc. Hamson. C'est ma femme. C'est un incroyant. Faire chanter. Eh merde, vu que je suis un mec confiant. Exiger un paiement. Les sous. C'est vrai que ça va pas trop avec moi. Ah, c'est dommage. Le pape, tiens, le pape, je peux pas te demander de l'or. T'es pas obligé de me donner 632, donne-moi ce que t'as, ça me suffira. Encore enceinte, mais c'est pas vrai, arrêtez de vous aimer. Ouh. Ah, parfait. Elle a fini ça. Ensuite, comté de E. Augmente le contrôle en comté de E. Merde. Oh, merde. Oh, bien. Ok, c'est bon. Guerre terminée. Ça, c'est à moi maintenant. Par contre, je veux ça. La baronnie de Luni. Ah, mais c'est. Non, c'est pas la baronnie de Luni que je veux, c'est ça. Pourquoi c'est le duc Folco qui a ça? Désolé, Folco, mais là. Il va falloir plus que ce que j'ai. Tiens, toi. Mmh.
Par contre, quoi? Ouais, attends, doucement, 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 le jeu, doucement, doucement. Médecin de la cour, il faut quelqu'un d'assez bon. J'aurais préféré mieux. Qu'est-ce que ça? Arranger un mariage. Bien, je prends ma fille Isabelle Tini, votre neveu Henri Capet. Non. Commence à répandre. Je vais à salle de cul. Non, allez, hop. Affecté. Soutenez ma légende, les gars. Soutenez, soutenez. Ok, au niveau des sous, c'est. Qu'est-ce que j'avais dit? Du coup, on va achever. La légende. Achever. Le livre de la maison Capet. Voilà la fin du livre. Oh, putain! Voici la fin du livre du roi Philippe et de sa famille noble Capet, dont la renommée et la légende n'ont plus à faire dans tout le pays. Voici la fin de la légende des héritiers de Charlemagne. La légende de Philippe est une merveilleuse aventure. Ses hauts faits d'armes étaient tels que tout le roi s'en émerveillait et que de nombreux nobles et retenus venaient à sa rencontre. L'histoire fut écrite ici, Paris, 2 juin 1094 après JC. L'audace et la conquête. Complète légende, riche de même level of légitimacy. J'ai plus de nouvelles graines de légende. Mais du coup, est-ce que ça me sert à quelque chose d'avoir fait ça? Bon, en tout cas, ça me servit à regagner un peu de thunes. Donc, ah non, je peux pas. Si, je peux. Ah non, ça dure 1 an. Ça va. Je passe de... Ouais, ne plus payer pour la légende, putain, ça fait du bien, là. Je peux payer 9 de plus, allez, on applique. Ça me recoûte de la thune, mais bordel! Putain, la légende, ça coûte. Ah. Pat. Un palais légendaire. Une statue légendaire. Choisir un bâtiment. Dégager un terrain. Orléans. Comté de Orléans. Tiens, c'est à Orléans, donc. Orléans. Il foutre un palais. Wow, ça coûte 1470. Ce serait pas mal. Ça me donne quoi? Impôt 10%, croissance, développement 15%, le propriétaire, légitimité. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas non plus. Ça. Bon, on va faire ça, tiens, ça va me débarrasser. Ah, c'est con ça, du coup. Par contre, Folco, tu m'emmerdes un peu. Parce que j'avais prévu de récupérer ça, moi. J'avais prévu de récupérer Gênes, en fait. Et là, t'es au milieu. Culture cisalpine. C'est quoi, 34%? Acceptation culturelle, 34%. Est-ce que t'es en train de me dire? Également améliorer ça, non, j'ai dit que j'économisais. Bon, allez, gracier, comme ça, j'ai plus de trucs. T'es toujours en train de faire le contrôle. Toi, t'es en train d'essayer de trouver des problèmes. Vas-y. Et si légendaire que ça, on va bien voir. Ma culture. J'aime bien rajouter un truc.
Ok, non, peut-être un truc en guerre, ouais. Être guerrier. Le respect des vétérans, c'est cool ça, respect des vétérans, j'aime bien. Amitié, j'ai déjà accès au complot. Assidu. J'aime bien assidu. Donc là, la culture avec les six alpins, elle augmente de combien? Changement annuel plus 0,80, gain annuel 0,99, brassage culturel, vassalité. La duchesse. Le roi Philippe promeut l'acceptation. On va voir l'acceptation du culturel. 0,84. Ah, c'est toi qui me donne. Parce que sans toi, ouais, ça va pas très vite. Peut-être qu'on peut. On peut se démerder. Il y a moyen de se démerder. Ça m'emmerde parce que Folco, là, j'aimerais vraiment lui révoquer son titre. Même avec un absent, bordel. Peut l'emprisonner, ça a peu de chances de réussir. Pourquoi c'est un acte de tyrannie? Il est écrit que c'est un salaud. Non, ça m'intéresse pas. C'est un criminel connu. Ah, il est déjà puni. Que je peux faire de plus? Essayer. Bon, déjà, on va essayer d'augmenter notre influence sur lui. Je reste un diplomate. On avance, mais on n'a pas de fric. Attends, quoi? J'ai obtenu une baronnie là. Qui es-tu, Gisèle? Je ne sais pas. Comtesse Gisèle, prisonnier et vassal. Tu me donnes combien pour te libérer? 50, allez hop. Sous gratuit. J'ai obtenu un nouveau truc là qui m'intéresse pas spécialement. Pourquoi j'ai ça moi? Ah si, c'est à moi. Ah oui, c'est à moi.
Tête de Grison. Comté de Orléans et Paris. J'aurais sûrement une meilleure intendance à un moment donné, donc au cas où je vais garder ça. Oh putain de merde. Non, descends. Considéré comme un maître. Quoi ça? Votre bénéficiaire. On va balancer le frère. Voyons voir quel peut être mon next move là. Votre vassal a été fait prisonnier par Ulrico lorsque le dernier a remporté la bataille de Parme. Oh shit. Moi ça, bordel. C'est un prince de la mode. Fils apprend la langue. Qu'est-ce que je pourrais faire? Encore faire des guerres, mais ça coûte cher. Putain. Oh putain. Elle m'a donné. Un truc pas dégueu. Dynastie. Capé. Ça, je peux l'enlever, tiens. Non, merde. Plutôt toi. On te met ça. Et le dernier, du coup, il doit être là. Voilà. Godwin, je m'en fous. Ça, voilà. Voilà, ça me donne un peu de renommée, tout ça. L'épisode est quand même assez long. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis ciao à tous et à la prochaine.